Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée de congrès de la Fédération Synov. Je crois qu'on était tous ravis de se retrouver à la faveur de ce congrès en 2022, après 3 ans de distanciation. C'était vraiment un immense plaisir de pouvoir échanger, de se voir, de revivre un petit peu la vie d'avant. On va ensemble parcourir les différentes problématiques qui touchent aujourd'hui à la transition du numérique. Magnifique congrès déroulé sur 2 journées dans lequel nous avons parlé des transitions. Transition sur le numérique, transition par rapport à l'écologie, l'environnement et tous les enjeux de la société actuelle. Je pense d'abord que le numérique est essentiel. C'est lui qui nous permet de travailler ensemble, d'accéder à la connaissance mondiale, de la partager et de la mutualiser. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a autre chose, c'est-à-dire la disparition quotidienne d'espèces, de milieux, d'habitats excessivement importants pour notre économie et pour notre société. Les activités humaines sont aujourd'hui le premier moteur de transformation géologique de la Terre. Maintenant, on est absolument certain que le changement climatique, il est d'origine humaine. On a cet objectif de réduire les émissions de CO2 de l'industrie cimentière, mais ce qui est encore plus important, c'est de réduire l'empreinte carbone de la construction. Passer à l'électrique, évidemment, sur tous les engins portuaires, va nous amener, on l'espère, à réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. L'énergie la plus forte d'un être humain, elle passe par son auto-engagement. La sobriété, elle n'est pas uniquement comportementale et individuelle. C'est pas uniquement prendre une douche à place d'un bain. Donc c'est pas qu'une question de volonté des uns et des autres, c'est un jeu à plusieurs. On va essayer de capitaliser sur notre collectif en fait. Quelqu'un de votre métier qui vous dit ça, ça a marché ou ça, ça a pas marché, ça fait écho. Le congrès 2022 de la Fédération Synov permet justement de développer des synergies, tant syndicales que professionnelles. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir repenser la façon dont on va se servir du numérique très concrètement. Comment est-ce qu'on fait du numérique un outil au service de la transition écologique et pas l'inverse? C'était essentiel de pouvoir faire cette piqûre de rappel. Et ça a été l'occasion pour nous de partager des idées, d'échanger sur les grands enjeux qui sont les nôtres de penseurs et acteurs des transitions. Parce que nous voyons que nous sommes sur le bon chemin. Nous repartons avec plein d'envie, plein d'idées nouvelles pour les années à venir.